C'est Narax16, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous aurez remarqué donc mon équipe préférée, donc mes joueurs préférés, voilà. Donc on se retrouve pour la vidéo, à tout de suite, c'est parti. Bon les gars, on va commencer par le gardien évidemment, les gars, Gianluigi Buffon, voilà le mec qui. Le mec il a, je sais pas, il doit avoir quoi, il doit avoir 30, 39 ans, le mec il est au top de sa forme, voilà, bon. Même si c'est un italien que. Bon j'en dis pas plus les gars, mais vous aurez une vidéo spéciale Italie, voilà, vu qu'on est. Vu que je suis parti en Italie, qu'ils sont pas en Coupe du Monde, bref, c'est un autre sujet, les gars. Vous aurez une vidéo demain, je pense. Donc, les gars, on va passer tout de suite à la défense centrale. À Varane, Marquinhos, voilà, la jeunesse. Deux très bons joueurs, hein. Franchement, Varane, il gagne déjà 3 fois avec des champions. Marquinhos est un très bon défenseur aussi, même si, face au Barcelone de la remontada, il a fait un match claqué, les gars. Je vous dis, hein, mais bon, quand même très bon, il a de l'avenir devant lui. Bon les gars, ensuite on passe au défenseur droit, défenseur gauche, donc Carvajal, Marcelo, voilà, et eux aussi ont gagné 3 fois la Ligue des Champions. Donc les gars, maintenant on passe aux 2 MC, Marco Verratti et Paul Pogba, voilà pour moi, les deux, pour moi les gars, hein, dites-moi en commentaire, mais pour moi les deux meilleurs milieux de terrain au monde, Marco Verratti, Paul Pogba, donc voilà, ça se dispute pas trop, on va dire, Marco Verratti qui est le meneur de jeu au PSG, hein, franchement, avec sa touche de balle et Pogba qui est un monstre avec l'équipe de France et avec Manchester United. Et moi aussi, les gars, bon, vous allez dire, ouais, vas-y, t'es un footix tout. Non, c'est pas parce qu'il est lyonnais que je suis un footix. Fekir, les gars, franchement, je l'adore. Fekir, il est très bon. En équipe de France, il s'est blessé hein, tout de même, mais avec Lyon, voilà, bon, ça reste à Saint-Etienne, les gars, on n'en parlera pas. Mais il est quand même appelé régulièrement en équipe de France, Fekir. Bon les gars, on passe tout de suite, attaquant droit, Florian Thauvin. Non, je déconne, désolé les Marseillais, oh, c'est bon, c'est un petit clash, c'est bon, ouais, je vous vois venir, direct les Marseillais vous dites commentaires, ouais, non, il y a la Ligue des Champions, c'est bon, c'est un clash, c'est bon. Non, je déconne les gars, franchement, Cristiano Ronaldo, voilà, bon, il joue pas ailier droit, hein, mais bon. Non, Cristiano Ronaldo qui, dites-moi en commentaire hein, pour vous, mais qui peut-être au-dessus de Messi, hein, en ce moment, ça se dispute, je sais pas, mais bon. Les ballons d'or, Ronaldo les enchaîne, il va sans doute encore le gagner cette année. Ensuite, les gars, attaquant gauche, Neymar, voilà. Je pense que c'est pas discutable. Même si 222 millions, effectivement, c'est énorme. Et enfin, les gars, le BU, le jeune qui a fait exploser la terre entière, Kylian Mbappé, voilà. Franchement, bah voilà, il mérite sa place, je pense. Donc, les gars, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, mettez un like, etc. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez l'équipe des joueurs que je déteste. On se retrouve dans une prochaine vidéo, les gars, c'est la Rex 16. Ciao à tous, prenez soin de vous.